Mais c'était neuf, ces chaussures. Je crois que je me ferai jamais à la glisse. Rembrandt, t'arrêtes un peu, tu te plains depuis le début du voyage. Essaie de voir les bons côtés de cette expérience. On vient de rencontrer 007 et Indiana Jones. Oh bah ça va, hein. Je te signale qu'on risque notre vie à chaque fois, imagine la prochaine fois qu'on tombe dans l'espace. Eh bien a priori c'est pas possible, puisque le densimomètre... Je m'en fous, une guerre, on peut tomber en plein milieu d'un champ de bataille. Écoutez, reprenez-vous, monsieur Brown. Pour apaiser nos esprits, je propose que nous visitions ce charmant petit village et nous arrêtions dans un hôtel. Qu'en dites-vous? Un hôtel? Oh, parfaitement. Ce voyage m'a épuisé, d'ailleurs. Un petit peu de repos me ferait pas de mal. On pourra en profiter pour élaborer un plan pour retrouver Smith. On ne peut pas le laisser continuer à menacer tous ces univers. Oui, c'est notre priorité absolue. Car tant qu'il restera là, tous les univers cinématographiques risqueront d'être désaltérés de plus en plus par ces anachronismes. Mais je peux vous assurer qu'une fois qu'on l'aura arrêté, je ferai tout mon possible pour nous ramener à la maison. Parfait, parfait. Il me tarde de... Navré de vous couper, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben quoi? Il fait son jogging. Je sais bien que vous n'aimez pas le sport, mais quand même. Rembrandt, il parlait de ça. Hein? Il est poursuivi par un ballon blanc? C'est plutôt une arme, à mon avis. Une arme au design très 60s. La technologie m'a l'air néanmoins très évoluée. Mais non, ce n'est qu'un ballon. C'est parfaitement inoffensif. À vrai dire, monsieur Brown, cela n'a guère d'importance. Le mieux serait de fuir cet endroit au plus vite. Ne me dites pas que vous êtes prêt à laisser un homme mourir sous vos yeux. Si c'était prévu dans le script, mademoiselle Wells. On ne doit pas rester les bras croisés quand même. L'agent Smith est peut-être responsable de cet événement. Comme la transformation des cartes de poker ou l'altération de l'événement, vous vous souvenez? Oui, oui. Mais où diable est passé monsieur Brown? En rentre? Mais je l'ai pas vu partir. Vous pensez à l'anachronisme? Non, regardez, il est là. Je leur prouverai que ce n'est qu'un vulgaire ballon. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être aussi courageux. Et voilà! Comment êtes-vous parvenu à détruire le rôdeur? Surtout ne me remerciez pas. Merci. Mais qui êtes-vous au juste? Je suis... Je suis le grand MacGyver! Qu'est-ce que vous me racontez là? Qui peut me dire que je peux vous faire confiance? Vous pouvez très bien travailler pour le numéro 2. Eh bien, il vient quand même de vous sauver la vie, non? Certes, mais d'où venez-vous? Vous ne semblez pas venir du village. Effectivement, nous venons d'arriver au village. Et si j'en crois ce que j'ai pu voir, cet endroit n'est pas aussi paisible qu'il y paraît. Oui. Ne vous fiez pas aux apparences. Il n'y a aucune liberté ici. Nous sommes tous estampillés, classés, déclassés, numérotés. Et sachez que le numéro 2 utilisera tous les moyens dont il dispose pour vous faire parler. Donc tous les gens qui habitent ce village sont prisonniers, si je comprends bien. Eh oui, le prisonnier, c'est ça. Que dites-vous? Eh bien, monsieur Brown, nous ne sommes pas dans un film cette fois-ci, mais dans une série télévisée. Je ne savais pas que vous étiez fan de séries télévisées. Eh bien, à vrai dire, j'ai eu l'occasion de la regarder durant mes études en Grande-Bretagne. Vous êtes donc le protagoniste de cette série? Numéro 6, c'est cela? Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Ne vous énervez pas. Je crois qu'il va falloir écouter notre petite conversation. Regardez, le rôdeur reprend forme. Si on part tout de suite, il ne pourra pas nous localiser. Suivez-moi. Les prisonniers sont tout de même pas des objets. Ces numéros donnent au village une impression d'uniformité de la société. Un excellent moyen de vous déshumaniser. Je comprends que vous faites tout votre possible pour vous évader. Je vois que nous nous comprenons. Dommage que je ne puisse pas vous accompagner dans votre voyage. Bonjour numéro 6. Belle journée, n'est-ce pas? Belle journée. Bonjour chez vous. Comment sais-tu cela, petit génie? Eh bien, en fait, le minuteur a détecté une fluctuation d'énergie similaire à celle que génère notre vortex. Et seul Smith est capable d'émettre une telle énergie. Quoi qu'il en soit, nous devrions le rejoindre d'ici peu. Le minuteur... Ah, d'accord. Je vois. Bonjour, numéro 6. Belle journée, n'est-ce pas?
Belle journée. Bonjour chez vous. J'ai une impression de déjà vu. Pardon ? Deux fois que vous saluez le même homme. Numéro 78. Qu'est-ce que vous dites ? C'est la première fois que je vous vois de la journée. N'insistez pas, ma chère enfant, c'est encore l'un de ces premiers anachronismes. Encore Smith. Il faut qu'on y aille. Juste une dernière question à poser à notre ami. Si je me souviens bien, vous êtes venu ici parce que vous avez démissionné. C'est exact. Mais une question me brûle les lèvres. Pourquoi avez-vous démissionné? Ça vous intéresse? Pour être honnête avec vous, oui. Bien après 20 ans de volontaire service, Sa Majesté n'a jamais voulu m'augmenter. Jésus-Marie. Alors toute cette histoire pour ça? Incroyable, monsieur Mallory, non? Oui, en effet. Dépêchez-vous, enfin, ça va se refermer. Au revoir, mon ami. Un mensonge, n'est-ce pas? Dieu seul le sait. Au revoir, monsieur. Et bonjour chez vous. Cette fois, ils ne m'ont pas eu.